D'être aussi nombreux parmi nous. C'est signe que notre association a grandi ses rangs. Donc, en tant que présidente de l'association et au nom des membres du bureau, merci à toutes de croire en notre projet chaque été et d'être là à nos côtés chaque été à nouveau. Donc, bienvenue, merci encore. Ce soir, donc, comme vous pouvez le remarquer, nous avons changé d'acteur pour vous présenter notre pause musicale estivale. Ce n'est pas une fin de saison, c'est juste une fin d'exposition, puisque Cassa nous quitte demain. Donc on a voulu vous permettre de profiter encore une dernière fois de ces 50 et quelques tableaux, dont un nombre quand même ne vont pas revenir à Alonne puisqu'ils ont trouvé d'autres chaumières pour se mettre à l'abri. Et donc ce soir, on vous présente avec Stéphane, avec Suzanne, hein, qui sont des nouveaux arrivants d'Aurachon, et avec Odon également et moi-même. Donc on vous présente une messe facile à deux voix égales avec accompagnement d'orgue ou d'harmonium de Joseph Franck. Donc on vous a laissé un petit programme, vous avez pu avoir le temps de les découvrir. Donc je pense que les grands discours ne portent pas forcément, donc je vous souhaite un bon moment et on se retrouvera après. Voilà, autour d'un verre. Bonne soirée à toutes et à tous. Oh.
À l'extrémité du nord de la France, près d'une antique forêt que le peuple crédule et superstitieux surnommait jadis le bois enchanté, se trouvait une petite chaumière bâtie à l'encontre d'un rocher escarpé. Elle semblait être quelque débris de ce rocher que la main du hasard s'était plu à rassembler. Elle servait d'habitation à un vieillard qui, par l'austérité de ses mœurs et la sainteté de sa vie, s'était environné du respect et de l'amour de tous ceux qui le connaissaient. Seul et isolé dans cette humble demeure, il ne vivait que de racines et d'un peu de pain noir que sa main débile et tremblante préparait elle-même. Toute la contrée, ignorant son origine, ne manquait pas de former sur lui diverses conjectures. On disait, entre autres choses, qu'il était né dans un pays lointain, où il s'était fait remarquer par une jeunesse orageuse, et que, repentant, il l'avait fini pour s'ensevelir ailleurs, dans une profonde retraite, et pleurer dans le calme de la vieillesse sur ses erreurs passées. Sans ajouter foi à ses propos, qui ont toujours paru mensongers aux personnes sages, nous dirons que ce patriarche faisait consister tout son bonheur dans la pratique des vertus chrétiennes. Et il regardait comme perdu le temps qu'il n'employait pas à ses touchants exercices ou à se rendre utile à ses semblables. Malgré les rides dont sa figure vénérable était sillonnée, on y remarquait les traits d'une grande âme. Son œil, perçant et souvent fixe, annonçait qu'il avait beaucoup observé, beaucoup approfondi. En un mot, qu'il était doué d'une grande expérience. Chaque mot que sa bouche prononçait d'une voix sonore était une sentence et portait l'empreinte d'une raison mûrement réfléchie. Chacun, à l'envi, allait le visiter. Les personnes même du plus haut rang, quittant leur lambris pompeux, ne daignaient pas de descendre dans son humble asile pour l'entendre discourir. Assis sur une pierre, au milieu d'eux, revêtu de cette noble gravité avec laquelle on dépeint ces anciens Romains sur leurs chaises curules, il l'écoutait avec une religieuse attention. Tous, imbus de ses bons principes, de la pureté de sa morale et de sa douce philosophie, en sortaient plus pénétrés de leurs devoirs, plus vertueux. Bientôt, on pensa, avec raison, que de tels principes seraient d'une grande utilité pour la jeunesse. Et cette pieuse et louable habitude s'établit aussi à l'égard de tous les enfants du voisinage. Leurs parents les envoyaient chaque soir chez le vieillard, qui n'éprouvait pas de plus grande satisfaction qu'à leur enseigner ses doctrines. Pour frapper d'autant plus ces jeunes auditeurs et graver dans leur cœur ses réflexions sages et ses conseils prudents, il les faisait suivre d'un trait tiré de l'histoire ou d'une anecdote qui leur était parfaitement analogue et qui était en outre à la portée de leur âge. C'est ainsi que se passaient ces veillées instructives. Elles avaient tant d'attrait pour eux qu'ils oubliaient jusqu'à leur amusement favori pour y assister. Quelques-unes des anecdotes du vieillard, écrites de sa propre main et mises en ordre par lui avec les titres qu'elles comportent, sont tombés par extraordinaire entre mes mains.
Gloria, Gloria, Gloria in excelsis. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis, Gloria in excelsis, Gloria in excelsis, in excelsis Deo. La gourmandise.
Il y a beaucoup de gourmands dans le monde et bien peu de personnes disposées à se corriger de leur excessive intempérance. Chaque jour, l'on fait les plus grands sacrifices pour se procurer des mets délicats et recherchés. Chaque jour, on ne pense qu'aux moyens d'avoir une bonne table. L'homme, véritablement vertueux, l'homme de bien ne s'en occupe nullement. Tout cela n'est pour lui qu'un objet très secondaire. Peu lui importe la qualité ou la quantité de la nourriture qu'il prend, pourvu qu'elle soit saine et qu'elle ne lui manque pas. La gourmandise est aussi le défaut ordinaire des enfants. On ne saurait trop s'attacher à la réprimer, car elle les expose souvent, lorsqu'ils veulent la satisfaire, à des désagréments qui leur coûtent cher. Le père de Charles avait besoin à la ville voisine. Charles s'offre de faire sa commission. On acquiesce à sa demande. Le voilà alors qui enfourche gaiement la jument de son père et qui part aussitôt. Déjà, il n'était plus qu'à une légère distance de la ville, mais par hasard, il aperçoit un peu à l'écart du chemin un mûrier garni de mûres bien appétissantes et bien noires. Il ne peut résister à l'envie d'en manger. La chose n'était pas aisée. Le mûrier se trouvait embarrassé tout autour par beaucoup de ronces et d'épines. Les branches d'ailleurs étaient trop pour pouvoir y atteindre. Charles fait donc avancer sa jument dans les broussailles. Il monte sur la selle et d'une main se tenant aux branches, de l'autre, il se met à cueillir des mûres qu'il trouve délicieuses et savoure lentement. L'animal ne remuait non plus qu'un rocher et son jeune maître, qui, pendant ce temps, mangeait toujours, admirait sa tranquillité. Cela lui fait faire une réflexion. « Parbleu, dit-il, celui qui, dans ce moment, viendrait dire « m'attraperait bien ». Or, tout en faisant sa remarque, il prononce le mot d'un ton si haut que la bête, à l'instant, part comme un trait et jette mon petit gourmand au milieu des ronces. Il y demeure pris et étendu, sans pouvoir se débarrasser. Le pis de l'aventure, c'est que, fort mal à l'aise sur ce lit, comme vous pouvez l'imaginer, piqué partout, déchiré et tout en sang, il lui faut pourtant passer là le jour et toute la nuit. La jument était revenue à son écurie. La selle tournée, la bride traînante font soupçonner qu'il était tombé. On le croit mort. Son père, sa mère et tous les domestiques alors de jeter les hauts cris et tout le monde de courir sur la route pour le retrouver. Le reste de la journée et la nuit entière furent employés en recherche. Au point du jour, enfin, à force de courir çà et là, un valet s'approche du mûrier. Le pauvre gisant, entendant du bruit, appelle aussitôt à son secours. « Au nom de Dieu » s'écrie-t-il d'une voix dolente, « sauvez-moi la vie !» Le valet reconnaît la voix de son jeune maître et, surpris de le voir là, il lui demande par quelle fatalité il s'y trouvait. « Par ma gourmandise et mon étourderie, » répond le patient. « Mais tâche de m'en tirer. » On y réussit, quoique avec bien de la peine, et on le ramena chez son père, où il fallut le mettre au lit, tout égratigné et à demi-mort.
Credo, credo in unum Deum, Patrem, Patrem omnipotentem, Factorem celeri, celi et terra, visibili eum omnium et invisibilium. Credo, credo in unum Deum, Iesum Christum, Iesum Christum, et ex Padre natum ante omnia saecula. Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum, Deo vero, tenit omnem factum consubstantialem patrem omnia facta sunt. Qui propternos homines, et propter nostram salutem, decendi de celis, de celis.
ad exterram patris, et res rexit exia die, et res rexit exia die, et citer venturus est cum gloria judicare vivos, vivos et mortuos, curus reclinare. Dominum et vivificantem, dies Padre, Filioque procedit, quicum Padre, Padre et Filio simulator atur et glorificatur, qui locutus et unam sancta catholicam, et apostolicam ecclesiam, et apostolicam ecclesiam, confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto, anglais. Sir David, chevalier baronnet anglais, retiré depuis quelques années dans ses terres, n'avait qu'un fils, qu'il avait envoyé à Londres pour achever son éducation. Ce jeune homme, après avoir donné les plus flatteuses espérances, ayant eu le malheur de tomber en mauvaises mains, s'était insensiblement dérangé au point qu'assailli par une foule de créanciers, il se trouvait réduit à n'oser quitter l'enceinte du temple où il s'était retiré pour échapper aux prises de corps décernées contre lui. Il s'y livrait à tous les remords que lui inspirait sa conduite passée. Situation d'autant plus cruelle qu'après avoir plus d'une fois abusé des bontés et de la crédulité de son père, il ne pouvait se résoudre à les implorer encore. Lorsqu'on lui remit un billet de ce même père, qui en renfermait un autre, adressé en ces termes au fameux banquier. « Monsieur, à vue, il vous plaira payer à Monsieur Thomas David ou à son ordre la somme de 1000 livres sterling que vous passerez au compte de votre serviteur. » Quelle surprise pour le fils! Il savait cependant que son père avait de gros fonds chez ce banquier. Mais il ne pouvait imaginer que ce père voulût confier une pareille somme à lui, dont la conduite avait dû l'indisposer avec tant de raisons. Après y avoir longtemps réfléchi, le jeune homme, qui, malgré ses écarts, avait conservé ce qu'on appelle une âme honnête, prit le parti de lui écrire la lettre suivante. Mon père, c'est probablement par erreur que vous m'avez envoyé une lettre de change de 1000 livres sterling, ou c'est quelqu'un qui peut-être, pour me tenter, a contrefait votre écriture. Ainsi, j'attendrai vos ordres pour savoir vos dispositions à l'égard d'un effet dont l'importance me fait croire qu'il n'était pas destiné pour moi.
Mais quel surcroît d'étonnement lorsque, pour toute réponse, ce jeune homme reçut, quelques jours après, un autre billet de 2000 livres sterling sur le même banquier. Après avoir flotté longtemps entre l'espérance et la crainte, il osa enfin, quoiqu'en tremblant, se présenter chez le banquier qui, à l'aspect des deux billets et sans la moindre objection, lui en fit payer le montant. Ce jeune homme sentit alors que son père, informé de ses égarements, ainsi que de la situation où se trouvait son fils, avait voulu risquer sur lui cette dernière épreuve. Et à partir de ce moment, le jeune David, pénétré d'un si généreux procédé, ne chercha plus qu'à prouver à son tour qu'un bon père ne doit jamais désespérer d'un fils reconnaissant. L'humanité est un des plus beaux sentiments du cœur. C'est un noble et sublime enthousiasme qui se tourmente des peines des autres et du besoin de les soulager. Il voudrait parcourir l'univers pour abolir l'esclavage, la superstition, le vice et le malheur. Il nous cache les fautes de nos semblables ou nous empêche de les sentir, mais il nous rend sévères pour les crimes. Il arrache des mains du scélérat l'arme qui était funeste à l'homme de bien. Il ne nous porte jamais à nous dégager des chaînes particulières. Il nous rend, au contraire, meilleurs amis, meilleurs citoyens, meilleurs époux. Il se plaît à s'épancher par la bienfaisance sur les êtres que la nature ou les circonstances ont placés près de nous. Cette vertu, source de tant d'autres, est dans beaucoup de bouches, mais dans fort peu de cœurs. Et jamais ce sentiment de bienveillance ne s'enflamme que dans une âme grande et sensible. Son siège n'est jamais dans celle de l'égoïste, de cet homme cupide, de ce riche parvenu qui toute sa vie n'a travaillé que pour lui seul, n'a rien fait pour ses semblables. Duchesne. Duchesne était un honnête artisan de Paris qui, à force de travail et d'économie, s'était acquis une petite fortune. Sans ambition, et persuadé que pour être heureux,
on peut se passer de grandes richesses. Il s'était retiré à l'honneur du commerce, n'ayant point d'ailleurs de famille à élever. Parvenu à l'âge de 64 ans et sa femme à 62 ans, ils habitaient depuis 23 ans un petit appartement dans une maison située dans un quartier retiré de la capitale. Cette maison appartenait à un riche propriétaire sorti de la plus basse extraction et qui avait exercé autrefois l'un des métiers les plus vils. Duchesne avait toujours payé son loyer avec la plus grande exactitude. Mais tout à coup, il fut dépouillé de sa petite fortune pour avoir obligé un ami infidèle en se rendant sa caution de sommes considérables qu'il dut payer en sa place. Il se trouva hors d'état de payer les termes de son loyer qui s'accumulèrent jusqu'à la somme de 400 francs. Alors, le propriétaire, sans égard pour l'exactitude passée de son locataire, comme sans pitié pour sa fâcheuse position, fait saisir ses meubles et lui donne congé par huissier. Mais l'époque du déménagement arriva sans que le malheureux Duchesne, repoussé de partout, eût pu trouver à se loger dans d'autres maisons. Et comme il continuait à demeurer dans son ancien logement, le propriétaire, pour le forcer à s'en aller, s'avisa d'un moyen aussi nouveau que barbare. Il fit enlever les panneaux des portes et des fenêtres de l'appartement. Ainsi, deux vieillards dans la misère se trouvèrent comme au bivouac dans un appartement démeublé et par un froid de 8 degrés. Mourant de faim et de froid, ne sachant que devenir, ces deux infortunés résolurent dans leur désespoir de s'arracher mutuellement la vie. Ils essayèrent d'abord de s'empoisonner, mais ils ne purent parvenir à préparer les substances dont ils voulaient se servir. Deux pistolets leur étaient restés. Ils les chargèrent. À un signal convenu, ils font feu l'un sur l'autre à bout portant. Et la même mort leur tranche la vie. Ainsi périrent ces deux victimes, résignées et dignes d'un meilleur sort. Cet événement terrible fait naître deux dernières réflexions qui sont bien affligeantes. D'abord, le malheureux Duchesne a été précipité dans la misère par la mauvaise foi d'un prétendu ami qui a abusé de sa probité et de son obligeance. Ce qui n'est pas moins déplorable, c'est la dureté impitoyable du propriétaire de la maison. Cet homme qui a causé la mort de deux personnes pour une faible somme de 400 francs possédait lui 200 000 francs de rente qu'il avait gagné dans la fourniture des armées. Il avait exercé autrefois le métier de marchand de peau de lapin. Agnus Dei, qui tollit
Donc, je vous ai lu des extraits des veillées instructives ou quelques leçons de morale par Levis, l'auteur Levis. Voilà. Et nous avons en fait pas trouvé, nous n'avons rien trouvé concernant cet auteur, mais on a trouvé quand même au sujet des veillées instructives un journaliste de l'Abeille française ou Archives de la jeunesse en 1828. Il a écrit, et je vais le citer pour conclure, quelques-unes de ces leçons ne sont rien moins que morales et nous mettent dans la nécessité de dire que M. Levis a eu tort de dédier ses veillées instructives à la jeunesse. Dans l'intérêt de leurs enfants, les pères de famille doivent repousser cette dédicace jusqu'à ce que l'auteur ait fait subir à son livre des retranchements et des modifications indispensables.